Et salut à toutes et à tous, c'est Saku. On se retrouve pour l'épisode 4 de nos aventures sur Yokai Watch. On était en route vers la poissonnerie pour capturer un yokai plus puissant. Écoutez, on est tout de suite parti. On traverse cette superbe ville. Oh, regardez, regardez ces raccourcis qu'on prend. Regardez à quel point je perds du temps. Parfait, très très bien joué de ma part en tout cas, vraiment. Il y avait un bouton pour courir, voilà, il y a ça pour courir, hop. On va aller par là-bas. Ah oui, c'est vrai que par contre, il y a une jauge d'endurance. D'endurance. C'est l'endurance portugaise. Une jauge d'endurance, donc, je disais. Il est pas à côté, hein. Le poissonnier. On y est. On arrive chez le poissonnier. Regardez. Il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Salut, ma grande. Tu veux du poisson? Il y a pas mal de gravules sur cette route ces temps-ci. C'est très dangereux. Fais bien attention quand tu traverses. Tu sais ce que ça veut dire, Saku? Je suis sûr qu'un yokai est derrière tout ça. Allons examiner ce carrefour avec prudence. Si vous avez vu l'anime, vous devriez savoir ce qui est sur le point de se passer. Chat, ronron. Ok, là vous devriez vraiment savoir ce qui est en train de se passer. Regardez, il est là. Il est là. Il est là, notre ami. On va l'appeler la mascotte. Ce chat a l'air super tendu, il a l'air concentré sur quelque chose, je ressens sa puissance. Ce yokai a l'air différent de ce qu'on a rencontré. C'est parti! Oula. Encore raté. Est-ce que ça va? Ouais, je... Attends, tu peux me voir? What the fuck? Tu connais une fille qui s'appelle Amélie? Amélie? Non, ça ne me dit rien. C'est qui? C'était ma maîtresse avant que je me transforme en yokai. Quand j'étais encore un chat normal, un camion m'a écrasé. Ça fait très mal. Pauvre belette. Moi, Amélie chérie, je l'entends encore comme si c'était hier. Elle a dit écrasée par un camion. C'est trop nul. Ok, super Amélie. Waouh. Ouais, c'est méchant. Mais c'est ma faute. C'est moi qui me suis fait renverser par un vilain camion. Dès que je serai assez fort pour battre un camion, je retrouverai Amélie. Mais je n'y arrive pas. Et les autres yokai se moquent de moi. Il y en a même un qui m'a volé mon bien le plus précieux. Une photo d'Amélie. Ils ont volé ta photo. Peut-être que je suis vraiment nul après tout. Se moquer de toi et voler ta photo, c'est vraiment pas sympa. Qui t'a pris ta photo? J'ai deux mots à lui dire. Oui, on va te la récupérer. Tu connais le yokai qui te l'a volé et où on peut le trouver? Son gang traîne souvent derrière la petite criée. Je ne peux plus aller par là-bas. T'inquiète pas, on s'en occupe, repose-toi. Au fait, comment tu t'appelles? Moi, c'est Saku. Je me souviens d'aucun nom à part celui d'Amélie. Mais les yokai m'appellent Jibanyan. J'aime bien ce nom. Ravi de faire ta connaissance, Jibanyan. Voyons, s'il y a un moyen de se faufiler derrière la petite criée. Ok, bon, les gars, apparemment, c'est plus compliqué de l'obtenir. Là, on est derrière la poste. Ok, faut aller là-bas. Dans le dessin animé, c'est beaucoup plus simple, hein, tout de suite. Saku, tu dois suivre le code de la route. Je suis désolé, tu seras puni un jour si tu ne suis pas les règles. The fuck. Ok. Pas très rassurant tout ça. Les yokai aiment les endroits sombres et isolés comme celui-là. C'est un très bon endroit pour se frotter à des yokai plus forts. Mais ils ne sont pas là pour se cacher. S'ils te voient, ils attaquent. Tu vas en avoir pour un moment ici. Tu ne pourras pas accéder au journal. Ah mais sois bien. Ok. Ah c'est un putain de donjon en fait qu'on fait. En avant. Un ultime. Ok, on est globalement bien là.
On est très bien. Nice. Ce truc m'approche. Et si je ne peux pas te battre, je peux te demander d'être mon ami? Bah écoute, avec grand plaisir, Nili machin. Merde, j'ai oublié de mettre son nom. Bah parfait. Ah donc il n'y a pas besoin de tout le temps les nourrir pour qu'ils nous rejoignent. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a quelque chose ici. Petit exporbe. Ok, on peut aller. Bah, on y va direct, ok. Bon, bah, écoutez, on va tout de suite aller explorer nos amis les égouts. Ah, c'est cool qu'on ait des trucs comme ça à explorer. Un anneau rouillé. On peut pas aller plus loin en fait. Hein. Un truc ici. Riz dans une feuille. Ok, parfait. Ah, salut. Oh, qu'il est pas beau lui par contre. J'aperçois la photo. Zed qui les losers. Tu as pris une photo de Jibanyan. On est venu la récupérer. Alors comme ça, ce petit sac à puce s'est trouvé des gros bras. Hein. Rends-nous gentiment la photo, ok? Ou on utilisera la manière forte. Ah, même pas en rêve. Et prépare-toi, Saku. Bah, même pas en rêve, écoute. Ok, loup barbare. Alors là, je fais combattre des yokai d'un petit niveau juste parce qu'ils ont leur truc de près. C'était peut-être pas la meilleure solution. On va tout de suite utiliser sur toi parce que t'es un peu HS, mon ami. Ah mince, ils ont le droit d'utiliser aussi n'importe quoi. Il n'y a que moi qui ai le droit d'utiliser ça normalement. Alors je me demande un truc, est-ce que pour purifier, il faudrait pas qu'il soit mort justement le yokai? Oui, voilà, c'est ça. On va utiliser la multime. Bah, on va pas du tout utiliser la multime. D'accord, donc j'ai beaucoup mieux compris le système de combat. Oh, nice. On augmente de niveau. Lolo, trop de stats qui augmentent, les gars. 1,38€, on obtient 3 chewing-gums. Nice. Bande de minables, si je deviens un vandale, ce sera votre faute. Et là, comme par hasard, voilà, la photo. Ok, bon, on a récupéré ce qu'on était venu chercher, les gars. Un vandale, comme si c'était pas déjà le cas, si ça se voit tout de suite. T'as des années. À cause de ses cheveux rouges, ok. Je ne pense pas qu'il puisse être pire que ce qu'il est déjà. N'en parlons plus, ramenons la photo d'Amélie à Jibanyan. C'est parti. Ah, ça y va tout seul, non? Oula. Vous là, j'ai vu ce que vous venez de faire. Ah oui, ça vous a plu. Vous avez battu un yokai recherché, un voyou de la pire espèce. Un yokai recherché, vous pouvez les voir vous aussi. Mais bien sûr, je ne passe pas mon temps à courir pour rien. Il est bizarre lui déjà. Il est très bizarre. Loup barbare était recherché pour troubles capillaires. Ça va. Je ne vois pas quel trouble peut causer sa coiffure. Ok, moi j'ai compris. Tu trouves, les tiens ont l'air assez soignés. Ça peut marcher. Ça t'intéresse une mission d'infiltration? Très bien, je te nomme officiellement détective yokai. Je vais pas avoir votre chapeau, certainement pas. Mais tu auras la satisfaction de débarrasser la ville du yokrime. Je vois la flamme de la justice brûler dans tes yeux. Alors tu es partante? Je crois. Un peu mon neveu, avec grand plaisir. J'ai hâte de vous aider. Ah, la fougue de la jeunesse, on dirait moi quand j'avais encore de l'espoir. Souvenez-vous, la tranquillité de la ville est entre vos mains. Si vous me cherchez, je serai près du bureau de poste Daniel. Ok. Mais c'est pas s'enfuir, mais okay, douteux dès que tu les vois.
attraper 3 fois pour obtenir un caractère d'un mot de passe secret. Fais attention car les lettres peuvent être des majuscules, des minuscules. Partage tes indices avec tes amis pour obtenir des mots de passe entiers. Oh nice. Utilise des mots de passe au deuxième guichet du bureau de poste. Ok. Va voir l'inspecteur Giraud pour avoir attrapé un criminel spécifique. Il y a un yokai. Il y a un yokai, les gars. Oh putain, je pense voir à quoi il ressemble. Grand papetit. Non, les gars, vraiment. Est-ce qu'on lui donne à manger ou pas, grand papetit? On va tenter. Ah bah très bien, c'est pas lui. C'est pas le bon qui a mangé, les gars. Ok, faut tourner. J'adore ce système de combat, vraiment. Vraiment, il est très bon. Et ben on gagne quelques niveaux en plus, ça fait plaisir. Et personne ne me rejoint. Bon bah écoutez, on va rendre la photo à Jibanyan. Normalement c'est pas nous traverser, mais écoutez, hein. Au bout d'un moment. Je crois que j'ai quelque chose qui t'appartient. J'ai donné la photo d'Amélie. C'est pas vrai, comment avez-vous fait? C'est tellement important pour toi qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire. Merci, ça me touche beaucoup. J'ai même pas été capable de faire ça moi-même, soupir, je suis trop. Tu n'es pas nul, ok? Arrête de penser ça. Je te trouve génial. Tu essaies de battre des camions pour impressionner une fille. J'aimerais que quelqu'un fasse ça pour moi. Merci, Sakuragi. Ne te décourage pas, Jibanyan. Je suis de tout cœur avec toi. Merci encore. Je finirai par battre un camion un jour, ouais. T'inquiète, aucun souci là-dessus. Donne-moi ton petit médaillon. On est amis maintenant. Tu peux m'appeler si t'as besoin de moi. Eh ben, Jibanyan fait partie de mes amis. Je pense que c'est ça le yokai qu'on a été chercher, le yokai de type très fort. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle un yokai qu'on ne peut pas rater. Hein. L'un des sauts du médaillium des yokai était activé. Nice. Mais je ressens une forte aura. Ok. Mon instinct avait vu juste. Mais s'il ne peut pas les battre, les camions n'ont qu'à bien se tenir. Ok, Zaku, rentrons nous débarrasser de machin truc. On a encore une chose à régler chez toi. Je me sens plus rassuré maintenant qu'on est des puissants avec des amis puissants. Super. Au bout d'un moment, je suis fatigué et je sais plus lire. Les 6 médaillons que tu choisis déterminent les yokai qui se battent. Va voir Bezieux. Si tu veux changer les médaillons de yokai, bah écoutez. Tu peux aussi les changer grâce aux médaillons de yokai dans ta chambre. Parfait. Quand tu auras quelques médaillons, pense au placement de tes yokai dans le menu. Médaillons. Ok. Place tes yokai de la même tribu côte à côte pour avoir des bonus de combat. Ah, nice. C'est l'unité. Une unité de 3 yokai est plus forte qu'une unité de 2. Place tes yokai en fonction des bonus que tu peux obtenir. Ah, c'est bon à savoir ça aussi. C'est très très bon à savoir. Tu viens pas, Jean-Louis? Ok, bon, tu viens pas, super. Là, on peut pas y aller, je pense. Ok, bon, on peut pas. Tu peux pas aller par là. Ok, waouh, dingue. Dingue. Bref, les gars. Enfin, on est vraiment des rebelles à niveau route. On va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. On va aller tranquillement devant chez nous. Hop. C'est ici qu'on va devoir combattre. Et ben moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et puis je vous dis donc à très très vite pour le prochain, n'oubliez pas le petit pouce bleu si la série vous plaît, et d'ici là, portez-vous bien, allez ciao tout le monde.